soir de sacre, peut-être, pour le Paris Saint-Germain, l'ambition de remporter pour les champions de France en titre un nouveau sacre. Les deux postes 3, Maximovic, Edouard, très défense, belle défense, défense. Du jeune pivot. Maximovic, tout de suite disponible, Panic qui le sert, le contrôle en deux temps, et Maximovic qui inscrit le but du break, 4-2. On a vu l'hésitation, en tout cas la dernière transmission qui n'est pas tranchante. Oh là là, super. Ce tir soudain qui a surpris la défense montpelliéraine. Elmino qui retourne face à Luka Karabatic, superbe. À l'image de ce qu'a réussi Nedim Remili. Ce tir soudain, les appuis ancrés au sol. Bonne le ballon Lenn, récupéré par partir. Arthur Lenn avec Lucas Pellas à droite à gauche. Le slalomer fou. Oh, il a récupéré. Oh, oh, le ballon qui est transmis. De la part de Yanis Lenn à Lucas Pellas au passage. Yanis qui s'est fait mal. C'est messieurs Pichon et Révéré. C'est ça. Oh, superbe. Cet impact point long de Carl Valinus là aussi. De Carl Valinus. Et derrière le très bon retour, le très bon repli. Et la passe, le tir. Magnifique. Oh, superbe. Cette inspiration de Marin Tchego. Ce qu'on redoutait, ce qu'on craignait, est arrivé le pastis de Yann Gentil. Fin de saison pour Yanis Lenn, qui ne participera pas aux échéances de la Ligue des Champions. Ça, c'est un énorme coup dur hein, sur un mouvement en déplacement. Duarte. Pour ce mouvement retour intérieur. Voilà l'homme qui change énormément de choses aussi, Yann Gentil. Avec un public de Coubertin à l'unisson de ce rendez-vous. Christophe Pors qui est passé et qui va égaliser 17 partout. Le retour, tout feu, tout flamme des Parisiens. Cherche le bois n'est pas levé. Hein. Dernière faute pour essayer de rendre le ballon. Oh, oh, il n'en aura pas besoin. La gâchette, Elohim Prandi. 10 secondes, c'est encore un monde pour les Montpellier en bataille avec Villemino. L'échec, et on va en rester là au terme d'une première période totalement folle. Bon, à Cologne, Valinus qui retourne le bras élevé. Valinus qui tombe sur Yann Gentil. Attention, parce que le Suédois tarde à revenir. Les espaces béants avec Benoît Kounkou. La finition déposée par Mathieu Grévy sous les yeux du CUP, les ultras du Paris Saint-Germain. Ballon lâché, Mathieu Grévy, quel arrêt! Un nouveau de Ball Singer. Il est peut-être en train de faire tourner cette fin de rencontre. Un nouveau pastis. Incroyable, il est étourdissant Yann Gentil, il est déroutant. Et parce que regardez, hein. Quelle lecture, il est là, il est positionné avant. Steins avec Remili et l'accélération derrière Elohim Prandi. Elohim Prandi, 172e but sous le maillot parisien, 500e réalisation en championnat de France. Le dernier ballon gratté, le ballon du titre. Le ballon du sac, Benoît Kounkou qui vient parachever le succès du Paris Saint-Germain 37-33 et qui offre de manière officielle le titre de champion de France à Paris. Il manquait un point. C'est une victoire sans conteste dans la deuxième partie de cette rencontre a été à sens unique. Montpellier aura été valeureux, mais Paris décroche un huitième titre consécutif, le neuvième de son histoire.